Le 28 janvier 1985, Jean-Pierre Assama trouve la mort à elle, âge de 43 ans. Alors que, il avait déclaré que, il est et suicide, 35 ans plus tard, Carole Bouquet révèle ce qui est, et réellement passe pour que le père de son fils Dimitri trouve la mort. Lors des, une interview accordée au magazine Vanity Fair, la comédienne Carole Bouquet est revenue sur la mort de Jean-Pierre Assam, il y a 35 ans. Ensemble, ils ont partagé plusieurs années de relations et ont eu un fils, Dimitri. Durant son vivant, Jean-Pierre Assam était connu pour être un grand consommateur de substances illicites, principalement de L, héroïne. Ainsi, à son décès le 28 janvier 1985, il avait été rapporté que le réalisateur franquais se serait suicidé en consommant divers médicaments et des somnifères, ce que sa dernière compagne refute. Le producteur de films franquais Jean-Pierre Assis dans une chambre, novembre 1974. Photo, Getty Images. Un peu plus de 35 ans après son décès, Carole Bouquet, qui a partagé les 7 dernières années de sa vie et avec qui elle a eu un fils, est revenue sur leur histoire des amours et les causes de son décès. Ni suicide ni overdose, comme on l'a dit, on a raconté beaucoup de choses fausses. C'est un accident, ce qui s'est passé. Il ne se ménageait pas, prenait du Gardénal pour se protéger des dégâts de l'héroïne. Mais après des années d'excès, le corps réclame sa dette, a-t-elle déclaré. France, 26 janvier. L'actrice Carole Bouquet et son compagnon Jean-Pierre Assam assistent à la générale de Thierry Leluron au Outre-Marigny, le 26 janvier 1983, Paris, France. Photo, Getty Images. Entre Jean-Pierre Assam et Carole Bouquet, elle, amour était au rendez-vous. Entre les excès de son compagnon, la comédienne a toujours été heureuse à ses côtes, et elle n'a pas manqué de le faire savoir. Cannes, France, 27 mai. L'actrice Carole Bouquet et son fils Dimitri Assam assistent au 60e Festival international du film de Cannes le 27 mai 2007 à Cannes, France. Oh, Getty Images. Ils ont vécu des années vraiment extraordinaires, et pendant longtemps elle a trouvé invincible. Pourtant, il a été retrouvé mort dans son appartement, laissant un fils prénommé Dimitri. Paris, France, 17 décembre. Le fils de Carole Bouquet, Dimitri Assam, assiste à l'émission de télévision française Vivement Dimanche au pavillon Gabriel le 17 décembre 2014 à Paris, France. Photo, Getty Images. Actuellement en couple avec Gérard Depardieu, Carole Bouquet se confie sur sa rencontre avec l'acteur. Tout a commencé par une simple amitié avant de devenir une belle histoire d'amour.